Inutile. Bien aimé, il y a de l'effervescence dans les nations. Depuis le début de l'année 2020, il y a de l'effervescence dans les nations. Et pour la seconde moitié de l'année, le Seigneur me montrait encore de l'effervescence dans les nations. Le Seigneur me disait, il y aura de l'agitation. Le Seigneur me disait, il y aura beaucoup d'agitation. Le racisme va augmenter. Le racisme va encore augmenter. Les manifestations de racisme vont encore augmenter. Mais le Seigneur me montrait que pour cette deuxième moitié de l'année, il y aurait encore beaucoup d'agitation. Il y aurait encore beaucoup, 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 beaucoup d'agitation. Il y aura de l'agitation parmi les nations, bien-aimés. Que cela ne vous étonnera pas. Quand vous verrez de l'agitation parmi les nations, ne vous dites pas qu'on croyait qu'en passant le cap de la deuxième moitié de l'année, on verrait moins d'agitation. Non. Il y aura encore de l'agitation. Il y aura de l'agitation parmi les nations. Il y aura de l'agitation parmi les nations qui se disaient être même des alliés. Il y aura de l'agitation parmi les nations. La Bible dit, ce passage est très prophétique, psaume 2, le verset 2. Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés et les grands conspirent-ils ensemble? Bien-aimés, je vous dis, il y aura des conspirations. Les rois de la terre vont se soulever. Les chefs d'État vont se soulever. Il y aura de l'agitation, il y aura des conspirations, il y aura des clans qui vont se former. Il y aura des choses qui vont se dire, il y aura des nouvelles qui vont tomber. On a entendu, je ne sais pas si vous avez entendu le retour de Anonymous, ces hackers anonymes qui exposent des choses vraiment secrètes et vraiment cachées, qui ont publié des rapports qui ont scandalisé les gens, bien-aimés. Je vous dis, vous entendrez encore des choses. Il y aura encore de l'agitation parmi les nations. Alors que je priais, j'ai commencé à avoir une série de visions. Bien-aimés, j'ai vu de l'agitation dans les nations islamiques. J'ai vu une attaque sur des civils. Nous allons prier pour les nations islamiques. Nous allons prier pour ces nations. J'ai vu des attaques sur les civils. Bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur protège ces nations afin que ces attaques ne puissent pas les toucher. J'ai vu des attaques sur les civils. Le Seigneur m'a transporté dans une rue et je voyais des corps. J'ai vu une armée en train de marcher, une armée bien organisée, une armée très bien organisée, dont une armée dans les nations communistes, dans les nations comme la Chine ou le Japon. J'ai vu une armée en train de marcher. Je les voyais en train de marcher, ils étaient alignés comme dans des rangs, comme en rang. Comme dans des rangs. Donc c'est comme s'il y aura au niveau militaire un mouvement qui va se faire également dans les nations communistes au niveau de la Chine, la Corée. Donc nous allons prier également par rapport à ça. Donc le Seigneur me dit, j'ai vu également quelque chose qui arrivait comme un accident qui arrivait dans les mines. J'ai vu des mines comme des mines de diamants. Puis j'ai vu comme s'il y avait une agitation également au niveau de ces mines-là. Donc nous allons prier également par rapport à ça.